aujourd'hui la faculté Mohamed VI de médecine dentaire avec le centre dentaire de soins et en collaboration avec l'association médico-éducative des enfants trisomiques, organise et célèbre en fait la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, comme vous le savez, le 20 mars de chaque année. Nous célébrons la journée mondiale de la santé bucco-dentaire et nous l'avons célébrée aujourd'hui pour joindre les deux événements, les deux journées mondiales, on va dire, de la trisomie 21 et de la santé bucco-dentaire. Alors, le thème qui a été choisi par la FDI, World Dental Federation, est Happy Mouth, Happy Body. Donc, encore une fois, pour insister sur le fait que la santé orale ne peut être distinguée de la santé générale. Et voilà, donc nous sommes très ravis, comme vous l'avez pu le constater, de voir la joie qui a animé tous les enfants que nous avons pu rencontrer et accueillir aujourd'hui au sein de notre faculté. C'était une coopération entre la faculté dentaire de l'Université Mohamed VI et l'Association marocaine médico-éducative. Il était sous forme de plusieurs ateliers de sensibilisation, de consultation, plus des ateliers artistiques, dessin, peinture, fabrication de savon, poterie, etc. Donc les enfants étaient trop gays. On est très contents d'avoir ce genre de convention. Donc la convention avec l'Université Mohamed VI avait lieu depuis 2020, décembre 2020. Aujourd'hui, nous avons reçu donc l'association médico-éducative de trisomie 21, tous les enfants avec leurs parents, qui ont profité d'un ensemble donc, d'ateliers qui ont porté sur la santé bucco-dentaire, à savoir donc, de la prévention, de la sensibilisation à l'hygiène, à son importance, mais aussi un dépistage qui a été fait donc, au niveau des locaux du centre dentaire Mohamed VI. Et dont l'ensemble des enfants ont bénéficié. Nous avons aussi organisé avec les étudiants des différentes années un certain nombre d'ateliers artistiques, donc que ce soit de la peinture, de la poterie, du perlage. Et donc ça a permis aux enfants de profiter de la journée au sein des locaux donc de la faculté, donc avec les étudiants. Ensuite, nous avons enchaîné avec un ensemble de conférences grand public pour les parents essentiellement, des conférences de sensibilisation par rapport aux pathologies que peuvent présenter ces enfants-là, mais aussi par rapport à leur santé bucco-dentaire particulièrement, à l'importance de l'hygiène chez ces enfants et à l'importance de leur prise en charge. On sait tous que ces enfants-là nécessitent une prise en charge particulière sur le plan bucco-dentaire parce que bon, pas souvent ils sont coopérants, pas souvent ils sont faciles à prendre en charge sur le fauteuil. Donc voilà, donc on a essayé de sensibiliser tout le monde à l'importance de cette santé-là pour la santé générale. Nous sommes réunis aujourd'hui pour sensibiliser et familiariser les gens et le grand public de l'importance de prendre en soin cette catégorie d'enfants et de les engager au niveau de chaque société. À montrer à tout le monde que ces enfants ont le droit à faire toutes les activités comme tous les autres enfants. Ce sont des enfants qui sont remplis d'amour et de richesse. Et c'est vrai que ce sont des enfants qui vivent à leur rythme et c'est à nous de suivre leur rythme. Et merci à tous les participants d'avoir été parmi nous. Et je suis fière, autant que dentiste, de célébrer ainsi et d'être présente aujourd'hui parmi mes profs et tous les autres enfants et leurs parents.